dinosaurien. Et de nouveau, tu as fait un désordre dans la cuisine. Je veux te punir pour cela. Je veux te mettre dans un coin. Maintenant, tu dois penser à ce que tu as fait. Bonne nuit. Bonne nuit, mon cher. Bonne nuit, Georges. Est-ce que tu veux que je te mette au lit? Merci, papa, mais je suis déjà grand. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Peppa, Peppa, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est, Georges? Peppa, aujourd'hui, papa et maman ont de barbecue et tous nos amis vont venir. Et je vais aller chercher mon dinosaurien et nous irons les aider. Ok, Georges, je vais me laver les dents et puis je vais me joindre à vous. Oh, quelle belle matinée ensoleillée! Maintenant, je vais prendre mon dinosaurien et nous allons nous amuser. Oh, où est mon dinosaurien? Il m'a quitté. Il a été offensé et il m'a quitté. Georges, qu'est-ce que se passe ici? Pourquoi pleures-tu? Hier, j'ai puni mon dinosaurien parce qu'il a sali le sol dans la cuisine. Il sautait dans les flaques et il était très sale. Je l'ai mis dans le coin et maintenant il m'a abandonné. Je pense que je ne le verrai jamais. Georges, tout sera bien. Il ne pouvait pas quitter. Il est dinosaurien joué. Peut-être hier, quand tu es allé au lit, tu l'as mis dans le lit avec toi et puis tu as oublié. Non, ce n'est pas possible. Allons voir, peut-être il est juste ici. Allons. Regardons. Non, il n'est pas là. Ok, regardons derrière le lit. Attends une seconde, ne t'énerve pas. Maintenant, je vais regarder dans la salle de bain. Georges, descendons. Peut-être la mère l'a mis sur le canapé. Allons. C'est étrange. Je ne le vois pas ici. Mais pas de panique. Nous allons le trouver. Allons dehors. Bonjour. Bonjour, papa et Georges. Nous avons un problème. Georges a perdu le dinosaurien. Est-ce que vous avez vu mon dinosaurien? Il m'a laissé. Nous ne l'avons pas vu. C'est trop mauvais. Allons et demandons père cochon. Allons. Bonjour papa. Bonjour enfant. Est-ce que tu as vu le dinosaurien de Georges? Non, je ne l'ai pas vu. Tout est perdu. Mon dinosaurien m'a quitté pour toujours. Georges, la journée est si belle et tu es tellement triste. Je ne peux pas être heureux parce que je n'ai plus mon dinosaurien. Georges, si c'est très important pour toi, nous pouvons aller au magasin et acheter un autre. Non, je ne veux pas un autre. Je veux que mon bon vieux ami retourne. Enfant, est-ce que tu es bien? Georges, pourquoi pleures-tu? Maman, mon dinosaurien m'a laissé. Je l'ai mis dans le coin pour avoir salé ton sol et il m'a quitté. Georges, il n'a pas disparu. Hier, j'ai vu le dinosaurien sur le sol. Il était tellement sale, j'ai décidé de le laver. Alors, il ne m'a pas laissé? Bien sûr que non. Je vais te l'amener. Hourra, mon dinosaurien est avec moi. Il ne m'a pas laissé. Barbecue est prêt. Vous pouvez venir. Hourra! Abonnez-vous. Abonnez-vous.